Christophe du Gary Tackle Barcola. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Barcola. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, Barcola arrive au PSG et du coup, tout le monde se pose la question. Qu'est-ce qui vient me faire au PSG? Parce que à son poste, tu as un certain Kylian Mbappé qui se blesse rarement. Donc, est-ce que Barcola a même bien réfléchi en venant au PSG? À moins que le PSG anticipe un départ de Kylian, là, Barcola aura du temps de jeu. Là, il aura vraiment du temps de jeu. Mais si Kylian ne s'en va pas, je ne sais pas comment il va jouer. Parce que Kylian ne se blesse pas. Certes, Barcola va peut-être jouer les matchs de coupe à gauche, à droite, mais ça sera vraiment hyper faible pour un joueur avec autant de potentiel. Donc, moi, je m'interroge vraiment sur le cas Barcola. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Dis-moi tout, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.